Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu vois, aujourd'hui on est à Atlanta mon gars. Voilà, j'ai dit on va essayer de faire une petite vidéo un peu. On sort de la zone de confort, tu vois. On est à l'extérieur, il y a des gens qui peuvent passer à tout moment. Mais c'est comme ça mon gars. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait mon gars. J'attends un petit peu que tu le fasses. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment faire fortune en 10 ans? Alors on va voir ensemble 4 étapes pour pouvoir mettre en place pour pouvoir en fait construire une fortune sur 10 ans. Tu verras en fait c'est pas sorcier, d'accord? C'est exactement les étapes que je suis en train de suivre et ces étapes que j'ai pu rassembler dans les différents livres. J'ai lu une trentaine de livres sur le business et qui permet vraiment d'avoir une trame assez simple. Déjà, première chose qu'il faut que tu fasses, c'est clair, c'est qu'il faut que tu crées ton entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être te parler d'autre chose, qui vont te parler peut-être d'immobilier, de bourse. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais moi, ce que je préfère et ce que pour moi est le plus rapide, c'est vraiment de créer ton business. Une fois que tu as créé ton business, l'objectif, c'est de créer un business, mais d'avoir un maximum de profit. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent, par exemple, avoir un gros business, faire un gros CA, par exemple, genre 1 million de CA, mais en marge, en bénéfice, il leur reste peut-être, je ne sais pas moi, 100 000 euros. Tu vois, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles moi je ne me suis pas dirigé sur l'achat d'une franchise. À un moment donné, j'étais chaud pas chez une franchise. Mais quand j'ai discuté avec des masters franchisés, ils m'ont dit en gros, en marge nette, il te restait 10% tu vois, du chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit non, je pense qu'on ne va pas se diriger vers là. Donc déjà, première chose que tu dois avoir en tête pour pouvoir créer ta fortune, c'est de créer une entreprise et de faire un maximum de bénéfices. Donc du coup, quand tu vas créer ton offre, il faut vraiment que tu penses que ce soit un produit ou un service. Pense déjà au coût que ça va te coûter avant de dire « Ah, c'est une super idée, je vais vendre ça ». Il faut vraiment que tu saches exactement combien va te coûter, quelles sont les charges, quel est le coût de fabrication pour vraiment que tu puisses après soustraire ton CA pour avoir ta marge et avoir ton bénéfice vraiment net. Parce que réellement, si tu n'as pas de puissance financière dans le business, tu n'es rien. Les banques ne vont pas te suivre pour pouvoir après, réinvestir, enfin suivre les étapes que je vais te donner après. Deuxième étape, s'extraire de ton business. Alors s'extraire de ton business, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une fois que tu as géré des bénéfices, ce que tu dois faire, c'est de créer une équipe. Donc tu vois, jusqu'à maintenant, dans la première étape, tu n'es pas en train de dépenser de l'argent. Parce que souvent, les gens ils pensent, ouais, je suis entrepreneur, hop, je vais avoir une Ferrari, tout ça. Ouais, tu l'auras, mais pas tout de suite, tu vois. La deuxième étape, il va falloir que tu réinvestisses l'argent que tu as eu grâce aux bénéfices. Tu vois, donc si tu ne fais pas de bénéfices, bah, du coup tu ne vas pas t'en sortir. Tu vois, tu vas être dans un cercle vicieux où tu vas faire du chiffre, mais tu ne vas pas pouvoir grossir parce que tu ne vas pas pouvoir réinvestir dans ton business. Donc il va falloir que tu réinvestisses ton business. Une fois que tu vas créer une équipe, là toi tu vas pouvoir arrêter de faire tout en même temps. Tu vois, tu vas pouvoir arrêter de faire le service à client, d'envoyer les mails, de t'occuper du trafic, du marketing, de tout faire en même temps. Tu vas pouvoir te déléguer toutes ces tâches-là. Et après, du coup, tu vas pouvoir t'extraire du business. Et une fois que tu as t'extrait du business, du coup, tu peux vraiment te concentrer sur la vision du business. Parce que l'erreur que font les entrepreneurs qui sont autonomes, c'est qu'en fait, vu qu'ils ont la tête dans le guidon, parce qu'ils sont toujours en train de charbonner, ils travaillent, ils sont partout en même temps, eh ben, ils ne peuvent pas évoluer parce qu'ils ne peuvent pas avoir vraiment la vision du business puisqu'ils sont toujours la tête dans le guidon. Okay. Donc là, à ce moment-là, une fois que tu t'es extrait de ton business, que là, il commence à avoir une équipe qui tourne et qui permet en fait de faire fonctionner l'entreprise, l'idée, c'est qu'il faut que ton entreprise fonctionne sans que tu sois là. Voilà. Il ne faut pas que tu sois le système de ton entreprise, il faut que tu crées un système pour que ton entreprise fonctionne. Donc si jamais tu pars en vacances, il ne faut pas que si tu arrêtes de travailler, eh bien, que tu n'aies plus de revenus. Okay. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et là, à ce moment-là, tu peux commencer à dépenser ton argent. Troisième étape, bah, construire une équipe. Donc, j'ai un peu débordé sur la deuxième étape. Troisième étape, construire une équipe de vendeurs. Donc, très important que… parce qu'une fois que tu as créé ton équipe qui gère un peu toutes les tâches, on va dire entre guillemets administratives ou qui s'occupe du marketing, après voilà, avoir une équipe de vendeurs. Parce que si jamais tu ne vends pas, il n'y aura pas d'argent qui rentre. Il y a beaucoup de gens qui négligent ça. On ne parle pas souvent de la vente sur Internet, mais concrètement, le business, c'est simple. Tu as une offre, un service, tu la vends. Enfin, tu vois, c'est pas compliqué. Et si jamais tu n'as pas des bons vendeurs qui puissent vendre quand toi, tu n'es pas là, eh ben, ça va être compliqué de faire rentrer de l'argent. Donc, troisième étape, vraiment créer une équipe qui te permet de vendre même quand toi, tu n'es pas là, même quand ton équipe, elle travaille. Parce que, OK, c'est bien d'avoir une équipe qui s'occupe de toute l'administration, mais ce n'est pas elle qui vend.
Okay, donc vraiment la valeur ajoutée, c'est quand tu as de bons vendeurs. Et si jamais tu en trouves, garde-les parce qu'en France, c'est rare. Quatrième étape pour pouvoir vraiment créer ta fortune en 10 ans, mais là franchement avec les étapes que je t'ai données, ça peut aller beaucoup plus vite si jamais tu respectes certains commandements. J'ai fait des vidéos là-dessus pour pouvoir vraiment créer une fortune rapidement. Quatrième étape, bah, c'est que tu investis en immobilier ou en bourse. Je te conseille même d'investir dans les deux, d'accord? Tu investis sur des trackers, tout ce qui est investissement long terme en bourse, par exemple le 440, tu vois, et vraiment comment dire, les trackers qui sont sûrs tout simplement. Et après tu investis aussi en immobilier. Donc voilà, après c'est pas compliqué, tu vois. Mais l'idée c'est que oui, l'immobilier ça déchire, c'est bien, ainsi que la bourse aussi, mais le mieux c'est d'avoir le mieux c'est d'avoir déjà du cash. Parce que effectivement l'immobilier tu peux commencer sans apport, donc ça c'est super, tu peux commencer sans cash, mais rien ne va plus vite que quand tu as une puissance financière. Quand tu as déjà du cash, une fois que tu le places, tu le sécurises entre guillemets dans l'immobilier ou dans la bourse, bah, du coup tout se multiplie, tu peux déjà vivre de tes rentes, tu es déjà safe pour, en sécurité financière pour le reste des années, pour tes enfants aussi. Donc voilà, tu peux aussi confier ton argent à des gens par exemple qui peuvent multiplier ton investissement en bourse, par exemple des traders qui vont s'occuper de ton portefeuille. D'accord, donc ça c'est super parce que du coup tu peux avoir des rentabilités assez faciles, peut-être de 10% par mois. Mais voilà, c'est, en général c'est des tickets d'entrée qui sont assez élevés. Et si jamais tu n'as pas de puissance financière, ben, tu ne peux pas multiplier cet argent. Donc pareil pour les investissements immobiliers, il y a énormément de gens qui proposent des services pour pouvoir te faire tout clé en main, pour pouvoir s'occuper de la recherche de ton appartement jusqu'à l'investissement final. Donc tu vois, tout ça, ça va te coûter un billet. Donc c'est pour ça que moi je conseille de créer une entreprise dans un premier temps, pour pouvoir générer vraiment une fortune, si jamais tu veux générer une fortune, en 10 ans, peut-être même en moins de temps. C'est le chemin le plus rapide, en tout cas, pour pouvoir le faire. Donc, je sais que tu voulais le faire en 10 ans, mais si jamais tu arrives à le faire un peu plus tôt, je pense que tu seras content aussi. OK? Donc, si jamais, en tout cas, tu as une expertise en immobilier, en trading, ou tu as une expertise sur les relations humaines, ou tu es coach, consultant, ou une expertise sur la santé, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Je vais te partager exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients qui ont cette expertise-là aussi. Et tu pourras voir en fait comment toucher 10 000 euros rapidement. D'accord, tu verras si jamais tu es sceptique, hein, c'est possible. Tu verras dans mes playlists témoignages, tu verras ce que pensent mes clients des stratégies que je mets en place avec eux. Ok, donc clique sur le lien juste en dessous pour pouvoir assister à cette conférence en ligne, masterclass, c'est la même chose. Et nous, on se voit sur une prochaine vidéo. Mais n'oublie pas de t'abonner et mettre un j'aime. Et on reste déterminés.